Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Exceptionnellement un dimanche, je fais une vidéo. Car hier j'ai reçu du courrier. Alors j'ai reçu un paquet et j'ai reçu une enveloppe. Donc bon, hier j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, c'était samedi, donc le samedi c'est les courses et balade avec Chouchou et tout. Donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc je la fais ce dimanche matin. Et donc j'ai reçu, alors deux, que je ne me trompe pas dans les noms, un paquet donc de Gisèle et une enveloppe de Michel. Voilà. Je vais d'abord vous montrer le paquet de Gisèle. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, ben, j'ai été super heureuse. Mais bon, en même temps, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que ben, j'avais reçu, vous avez rappelé, il y a 2-3 jours, un petit paquet. Et du coup, bon, mais c'est rien, Gisèle. Tu as passé du temps à le faire et donc il va me servir quand même. Mais il me servira lors du mariage, mais à la maison du coup. Voilà, alors vous vous demandez ce que je suis en train de vous raconter. Alors j'ouvre le paquet. Bon, j'ai déjà enlevé de l'enveloppe, hein, j'ai tout enlevé. Alors, je vais enlever les petits rubans que tu avais rajouté, je le montrerai après. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que Gisèle a eu, et là j'étais pas au courant par contre. Gisèle a eu exactement la même idée que Isabelle. Voilà, elle m'a fait un coussin d'alliance tout aussi magnifique que celui d'Isabelle. Voilà, tout brodé. Voilà, alors avec nos prénoms, Jean-Luc, Edith et la date. Là, je vous montre. Donc ici, elle a brodé des petits rubans avec des fleurs. Ça doit être un petit bouquet de mariée là. Là, le petit chapeau. Là, un petit bouquet. Et en bas, ici, en bas, une petite colombe. J'essaie de vous montrer. Voilà, le petit bouquet de mariée. Là, le petit chapeau du marié. Et là, peut-être le voile de la mariée. Voilà. Et elle a remis des petites roses en tissu, en petit ruban tout autour en forme de cœur. Voilà. Et tout autour un joli ruban bleu. Donc elle a respecté les couleurs de mon mariage en plus. Voilà. Et elle a rajouté des petits rubans, donc bleu et rose. Donc je trouve magnifique. Et du coup, ben, t'inquiète, il va me servir parce que dans le petit mot qu'elle m'a mis. Alors elle m'a marqué. Bonjour Edith, je t'envoie un petit coussin à alliance que j'ai fait en essayant de respecter les couleurs. Donc tu n'es pas obligé de t'en servir, tu vas peut-être trouver cela ringard. Donc je trouve pas du tout cela ringard parce que moi à l'époque, quand mon fils s'est marié, je lui en avais fait un. Donc je trouve pas du tout ça ringard. Je te mets un bout de ruban bleu et rose qui est un peu foncé à mon goût. Non, je trouve pas. Non, ça va. J'apprécie beaucoup, j'aime tout ce que tu fais, j'espère que ton mariage se déroulera très bien. Je t'embrasse, Gisèle. Voilà, écoute, moi je le trouve très très bien. Alors t'inquiète, je vais voir comment je vais faire, ou alors pourquoi pas faire avoir les deux coussins le moment du mariage avec chacun son alliance dessus, ou je sais pas. Mais sinon je vais m'en servir au moment du mariage à la maison, mais je vais m'en servir, ça c'est sûr. T'inquiète,
Parce qu'en plus, il est magnifique. Il est très, 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 très joli. Voilà. Je vous remontre. Non, il est très beau. Et je vais. Ça me touche vraiment. Donc, non, t'inquiète pas. Je vais trouver comment m'en servir le jour du mariage. Et voir peut-être, soit que comme j'ai mes petits-enfants, soit que chacun tiendra les deux coussins et puis on mettra les alliances sur chaque coussin. Je vais en parler avec ma belle-fille. Et sinon, il sera sur la table du mariage. Et comme il y aura une décoration, je vais voir. De toute façon, il y aura les photos, vous verrez. Et je vous dirai comment j'ai fait. Voilà. Alors, mais en tout cas, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je le trouve magnifique. Tu as très, très bien travaillé. Voilà, il est vraiment superbe. Encore un grand, grand, grand merci, Gisèle. Voilà. Donc ça, c'était le cadeau de Gisèle, donc pour mon mariage. Et la deuxième enveloppe, donc je vais cacher l'adresse. Vous voyez, en plus, sur l'enveloppe, elle a mis des petits stickers se marier. Voilà. Et on a même mis un sur le devant. Et donc, elle m'a fait une petite carte. C'est un petit peu aplati avec la poste, mais ça c'est rien, c'est pas un problème. Voilà. Voilà la carte que Michel m'a faite pour le mariage. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec son petit pompon bleu. C'est bien, vous avez respecté les couleurs de mon mariage. J'aime beaucoup cette attention. Des petits papillons. On sait que j'aime les papillons, les dentelles. Les petits mariés, le petit monsieur, madame, là en haut, regardez, voilà. Je suis à peu près. Et non, c'est vraiment très très joli. Donc derrière, elle m'a mis un petit sticker, ce souvenir Michel, elle m'a mis son nom de famille et le département. Mais vraiment, elle est très, très, très belle. Donc, elle m'a mis un petit mot. Alors, chère Edith, une petite carte pour célébrer ton prochain mariage. Je te présente ainsi, Cachouchou, toutes mes félicitations. Et vous souhaite un grand bonheur. Belle journée à vous pour le 14 avril 2018. Donc, Michel, et elle m'a remis son adresse, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoute, Michel, j'aime beaucoup ta carte. Elle est très, très jolie. Elle va rejoindre les autres cartes pour le futur album des amis. Et j'aime beaucoup avec les petits papillons, les petites genre style pistil blanc. Non, c'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. Hop. Ah, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, Michel et Gisèle, encore un grand, grand merci pour vos deux attentions. Gisèle, un énorme merci pour le travail que tu as fait sur ce magnifique coussin. Et t'inquiète pas, il n'est pas du tout ringard. J'adore ça. Et il va me servir le jour du mariage. Même que j'en ai déjà un autre, il va me servir. Bah, t'inquiète pas. Je vais trouver et tu verras comment je m'en serais servi le jour du mariage, par vidéo, par photo. Je vais voir aussi ce jour-là comment je vais faire. Voilà. Mais il n'y a aucun problème. Voilà. Eh bien, écoutez, mes abonnés, je vous fais des gros bisous. Alors, comme je vous ai dit, c'était exceptionnel que je vous fais une vidéo un dimanche. Je voulais absolument vous montrer ces deux jolis cadeaux que j'ai reçus hier. Je vous fais du coup des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.
Demain, je ne sais pas ce que je vais faire, si je fais une vidéo ou pas. Je vais voir. Je ne sais pas du tout le programme que j'ai en tête pour demain. Ranger mon atelier peut-être. Et terminer une créa que je suis en train de faire. Enfin, terminer deux même de créa. Et puis là, de toute façon, cette semaine, ça va être. La semaine va passer à une vitesse très très rapide. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous. Bye bye.